Salut à tous, on fait le point en moins de 5 minutes sur BTC. Alors, sur la dernière vidéo, je vous disais qu'on avait du coup une macro zone qui était située dans cette zone-là et qu'on avait du coup une concordance avec le microcycle qui était ici, avec la possibilité de tronquer la correction, rappelez-vous la vidéo, parce qu'on était sur 0,618. Et quand on regarde le RSI, sur le daily, on casse la trendline RSI avec, on va le voir sur une unité inférieure, une impulsion qui nous laisse à croire, à penser que cette correction s'est terminée en WXYXZ, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de voir cette vague impulsive qui s'est faite. Elle a bien une divergence au sommet. On a bien l'oscillateur qui nous confirme qu'on a fini la vague baissière. Avec cette divergence, on peut projeter sur quelque chose de relativement impulsif, avec une vague 3 de 3 qui est ici, et la dernière vague, la 5 de l'ensemble de ce mouvement qui démarre ici, qui se finit là. On va donc s'attacher à chercher un retracement, où on va faire concorder trois choses, une caractéristique du prix, un retracement et une extension. Quand on regarde au niveau des caractéristiques du prix, nous avons une imbalance qui est dans cette zone-là, sur les 38, et une grosse imbalance qui est dans cette zone-là, avec l'overlap avec la golden zone. Je n'arrive pas à choper d'où vient celui-là. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? Sur du 15 minutes, ce que l'on va chercher, c'est quelque chose d'impulsif, donc avec une divergence haussière qui va se former. Okay, ce qui semble être le cas ici. Donc on va chercher en fait une baisse, un mouvement en 3 et une autre baisse. Et on calcule l'extension de cette jambe à partir de celle-là, qui nous donnera du coup une golden extension. Et on regardera la corrélation entre l'extension, le retracement et les imbalances au niveau du prix. Donc pour l'heure, pour moi, il n'y a pas de mouvement en 3 visible. Quelque chose qui est assez classique, c'est de faire la fin de la vague A sur 38% Fibo, rebondir et aller chercher ça. Voilà, moi ce que je vais chercher sur du 15 minutes, hein, c'est quelque chose qui est un mouvement en 3 comme ça pour pouvoir reprendre éventuellement du BTC de certains autres alts. L'alternative possible, c'est qu'ici nous ayons un flat en 3 et là nous allons descendre en 5 avec une divergence qui va se former probablement dans cette zone-là. Donc les plus agressifs d'entre vous pourront viser des achats ici en protégeant rapidement, en se disant que si c'est en flat, on va continuer d'accélérer à la hausse et c'est jackpot, et qu'à minima on devrait avoir au moins un petit push vers le haut. Et si c'est pas un flat et une correction en 3, vous aurez une redescente qui va se faire sur la golden extension un petit peu plus bas. Donc deux zones d'intérêt à marquer à la recherche de signaux qu'il y a ici sur des UT comme le 5 minutes par exemple. Et idéalement, si vous êtes patient et que vous avez déjà du BTC, un mouvement 3 et c'est parfait. Bon courage à tous!